Hey, comment va la famille? Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo très sérieuse. Eh ouais, vous le voyez, j'ai troqué la blouse. C'est que ça rigole pas. Avec Sim Spooky à la caméra, nous allons essayer de faire féconder le Sonic.exe. Vous avez bien compris, ça a l'air complètement foudi comme ça. Mais c'est possible. C'est bien pour cela que nous allons devoir respecter un processus étape par étape. Déjà, laissez-moi vous expliquer comment on va faire. Tout de suite, je vous présente tous les éléments que nous allons avoir besoin pour respecter le processus de fécondation. Déjà, vous le remarquez, on a un œuf. Nous allons vraiment faire féconder Sonic.exe à partir d'un œuf. Et nous allons produire étape par étape le processus de fécondation. Alors surtout, ne reproduisez pas ça chez vous. Vous risquez d'y avoir des problèmes. Oh non, mais la RobTech, ton expérience a l'air incroyable. Mais est-ce que t'as pensé aux conséquences qui peuvent se passer dans la maison? Imagine, il prend vie là, ici, maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire, mec? Alors c'est vrai, à ce moment-là, il pourrait se retourner contre nous. Mais tu sais quoi? On sera armés. On prendra les pistolets à nerf, les battes de baseball, les machettes et les couteaux et les marteaux. Et mon gars, on l'essayera de le chasser de la maison, d'accord? Ça va être un jeu d'enfant, je le sens. Les gars, restez avec nous pendant la vidéo. Vous allez voir de la naissance du Sonic.exe jusqu'à son apparition dans la maison et jusqu'aux conséquences que ça va avoir. En tout cas, on perd pas de temps, on commence le processus tout de suite maintenant. Let's go! Que les choses sérieuses commencent! Alors là, avec la potion du Sonic.exe, mon gars, on va y prélever un petit peu. Déjà, on va en mettre dans le bocal là-dedans. Ça va être beaucoup plus simple pour ensuite en prélever avec la seringue. Sim Spooky, hein? Eh, prépare-toi! Je suis prêt! Ouais, attends, les gars, on va en prendre jusqu'au maximum dans la seringue, mon gars. Là, comme ça, on est sûr que ça fonctionne. Ah, c'est sûr que ça fait effet, là. Allez, je prends l'œuf en main, les gars. Là, c'est l'étape la plus importante. Il faut pas que je me loupe. Je te le dis là. Nous allons transplanter de l'ADN du Sonic.exe dans l'œuf. Et c'est là que le processus de fécondation va commencer. Allez, RobTech, concentre-toi. Hein. Mets dedans, je mets là. Là, juste là. Ok, vas-y, d'accord. Vas-y, t'es prêt? Attention. Ah, ok, c'est bon. J'ai fait un trou dans l'œuf. Et maintenant, on envoie la potion. Ok. Tu vois, quand ça fait comme ça, c'est que ça a bien transplanté toute la potion dans l'œuf. Maintenant, faut que tu mettes le pansement en tête. Maintenant, oui, les gars, nous avons une boîte de pansement pour refermer le trou là qu'il y a juste dans l'œuf. C'est très important. Il faut le refermer au plus vite. Vite, là. Hop, comme ça. Et voilà. Là il est bien refermé. Et voilà, là maintenant qu'il y a le pansement, l'étape de processus de fécondation va commencer. Écoute, j'ai pris une boîte, on va le mettre dans la boîte les gars. Là, attendez, on va mettre ça là dans la boîte tout de suite. Dans la boîte les gars, voilà comme ça. On referme ça gentiment, il faut être vraiment être délicat. Faut pas faire de gestes brusques parce que ça peut interrompre la fécondation à tout moment. Alors maintenant que c'est dans la boîte les gars, j'ai préparé un tiroir spécial fécondation. Venez, je vais vous montrer, là les gars. Le placard est juste là, regarde mon gars. J'y ai mis une lumière bleu à l'intérieur. Je dépose la boîte dans le placard et la lumière bleue que vous voyez là va accélérer le processus de la fécondation. Là mon gars, ça devrait avoir de bons effets. Faut plus toucher, je te jure. Faut plus rien toucher mon gars, faut laisser agir. Faut attendre je pense encore quelques jours, le temps que ça commence à avoir les premiers effets. Allez, on vous reprend dès qu'il y a du nouveau. À tout de suite. Oh, les gars, voyons voir l'expérience de la fécondation du Sonic.exe après 2 jours et demi. Donc on est à peu près à la fin de journée, on va voir ce que ça va donner. Venez. Oh, je suis impatient. J'y ai pensé toute la semaine, tous les jours de la semaine, mon gars. Là, on va ouvrir. Oh. Les gars, regardez, on avait mis même la peluche et tout. On avait mis toutes les conditions pour que la fécondation fonctionne. Je l'ouvre un peu pour voir ce que ça donne ou pas. T'es prêt? Oula, attends. Oh, oh, hey, l'œuf c'est ouvert, mec. Oh non. Il y a peut-être une fécondation. Attends, je crois. Attends, oh. Hey, touche pas. Purée. Attends. Il faut prendre le truc pour écouter les battements du cœur. Tu mets dans tes oreilles. Vite. Il est là, les gars. Il y a ça, il y a le matériel, les gars. Je vais tout de suite écouter l'œuf, voir comment ça a évolué. Chut, là, les gars, chut. Ouais, pourtant. Alors, t'entends quelque chose? Ah ouais, attends. Oh. Oui, et oui, on entend. Les gars, on entend. On entend des battements. C'est très léger, c'est très léger. Et c'est des battements très lents. Et c'est à peine perceptible, c'est chelou. Attends, examinons ça de plus près, les gars. Allez, venez, on va regarder ça là. Attends, mais regarde. J'ai l'impression que déjà tout a coulé partout dans la boîte. C'est un peu dégueu quand même. Est-ce que j'ouvre la coquille pour voir? Non, vaut mieux pas, peut-être tu vas détruire la fécondation. Attends, mais regarde, c'est... Oh, y'a... Attends, what? Mais regarde. Oh, c'est le début de l'embryon. Mec, remets, referme tout. Ok, faut pas toucher, je pense, faut pas plus toucher. Faut refermer la boîte et il faut laisser évoluer la fécondation. Parce que là, si on commence à toucher, là, ça va faire n'importe quoi. Ok, je referme la boîte délicatement, les gars. Je referme le placard. Bon, bah là, c'est prometteur, je vous le dis, c'est une dinguerie.
Attends, là je crois que personne n'est prêt. Vraiment, c'est une vidéo de fou. Je pense on peut se laisser 2-3 jours, un petit week-end, je sais pas, mais en tout cas, encore plus beaucoup de temps. Donc on se reprend dans quelques jours, dès qu'il y a du nouveau. Allez, à tout de suite. Ah, les gars, là, on attend de voir les résultats. C'est le jour le plus important, je te le dis. Là, on a laissé pratiquement une semaine se couler entre le début du processus. Et là, à mon avis... Oh, attends, y a pas un problème là? Attends, pourquoi c'est carrément déplacé, tu vois ou quoi? Oui, y a un problème là. Mais c'est le bordel tout autour. Mais oui, what? Qu'est-ce que délire? J'avais pas remarqué. Attends, il passe quelque chose de bizarre ici. Les lumières pour voir. Mec, c'est le bazar ici. La table, elle a bougé, les chaises, ils sont éparpillés. Le meuble, le placard. Attends. Le placard s'est déplacé là. Il était là, il s'est retrouvé à côté du canapé. Y'a un problème. J'ai peur, je sais pas trop, j'ai peur. Ouvre vite fait pour voir. Mec, y'a rien. Comment y'a plus rien? Y'a plus d'œuf là-dedans. Non, mais la boîte. Y'a rien dedans. Attends, je l'ouvre. Mec, non. Oh là, oh purée. Oh mec, là c'est une dinguerie, vraiment. C'est quoi le délire? La lumière bleue, tout, c'est resté allumé, mais plus rien autour. Non mais là c'est sûr que ça a fécondé. Je vois pas d'autres trucs, je sais pas, il s'est passé quelque chose. Comment est-ce qu'on peut savoir ce qui aurait bien pu se passer en fait? Ah bah j'avoue la optique, on doit comprendre ce qui s'est passé là en fait. Il nous faut des réponses. Mais oui. Là à mon avis il y a eu fécondation, il a dû sortir de sa coquille, il s'est barré du placard, je sais pas comment il a fait, je sais pas ce qui a pu se passer. Mais, oh mais attends, Sim Spooky. Quoi? Si je me mets sur les caméras de surveillance de toute la maison, on va bien voir ce qui a pu se passer dans la journée, dans la soirée et dans les derniers jours, ce qui s'est passé dans la maison. Y a que ça à faire, mec. C'est ça qu'il faut faire, hein. Viens, on check les caméras de surveillance. C'est ce que je fais. Je me connecte tout de suite sur les caméras de surveillance de la maison. Hop. Y a eu du move. C'est ce que m'indiquent les caméras de surveillance de la maison. Viens. On regarde ça ensemble. Okay, mec, on regarde ça ensemble. Attends, let's go. Là. Attends. Le meuble bouge. Le meuble, il est en train de bouger, non? T'es sûr? Ah oui, je le vois, regarde. Mais ouais, ça bougeait tout seul. C'est quoi le délire? Je me mets sur un autre plan de caméra du salon. Vas-y. En tout cas, tout s'est passé au niveau du salon, c'est le salon le plus important. Oh les gars, regarde comment ça bouge. Ah là c'est une dinguerie. Oh non. Là, je vais pas croire, mec. Tiens, ça y est. Tout s'explique, les gars. Non, là c'est une dinguerie. Mais là, il faisait tout pour sortir du placard. Allez, mon gars, il défonçait tout. Il défonçait le placard, c'est les gars. Regarde. Oh là, c'était violent quand même. Mais ouais. Attends, mec. Mec. Il a fécondé. Il a carrément fécondé, t'as vu, il est apparu. Il a vraiment pris naissance en plein dans le salon, mec. Il est sorti du placard, gros. Là c'est ouf quand même, t'as vu, il a spawn, c'est ça? Il a pété le placard, mec. Le placard il ressemble à rien maintenant. Normal, t'as vu la taille qu'il fait. C'est énorme. Regarde, il est en train de se balader tranquille dans le salon. Il vient tout juste de naître. Mec, il découvre la vie. Mec, c'est ouf. Attends, mais est-ce que c'est la version vraiment horrifique de Sonic ou pas? Ou c'est Sonic normal? C'est ça la question. Horrifique, version horrifique, il a les yeux rouges. Regarde. Tu l'as vu, non? C'est vrai qu'il a les paupières toutes rouges. C'est probablement vraiment le méchant Sonic.exe. C'est dingue. Ça veut dire que ça a marché là. Ça veut surtout dire qu'il est dans la maison, mec. C'est ça que t'as pas compris. Miroptech, là, de ce qu'on a vu sur les caméras de surveillance, il est parti de quel côté là? Est-ce que tu t'en souviens ou pas? Il est descendu, je crois qu'il est descendu. Dans la cuisine? Sinon, il est parti peut-être dans les toilettes ou dans ma chambre. Ma chambre, mec. On check où? Dans la cuisine ou dans ta chambre? Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, vas-y, toi. Viens, on va dans ta chambre pour voir. Je sais pas, hein. Bah, en vrai, mec, on aurait dû regarder plus les caméras de surveillance pour voir tout ce qu'il faisait dans la maison. Là, on sait pas où il est parti, mec. Teste les toilettes. Attends, la porte est entrouverte, mec. Y'a quelqu'un? Ouvre, mais arrête de dire y'a quelqu'un, c'est chez nous. Non, c'est bon là, rien à signaler dans les toilettes. Bon, s'il est pas dans les toilettes, ça veut dire qu'il est peut-être dans ta chambre. Allez, ouvre la porte, ou pas? Vas-y, ouvre. Ok. Mec, sauf qu'il peut. Non, il se dirige directement sur Sim Spooky. Arrête, non, possible. Non, attends, je vais balancer la seringue dans la tête là, c'est bon. Non, laisse-moi voir, les gars. Il est énervé. Attends, viens par ici, mec.
Gros, regarde-moi ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé un masque qui fait super peur, un masque de clown, genre. Tu penses si je le mets et que je lui fais peur, ça va marcher ou pas? Il va s'enfuir? Je le fais d'un. T'es sûr? Oh mec, fais attention, c'est Sonic.exe, hein. Eh les gars, je vais mettre le masque, tiens. Attends. Ah ouais, t'as du courage, mec, si tu le fais, hein. Tu penses ça va vraiment le faire flipper ou pas? Je sais pas, Sonic.exe. Si ça marche pas, si ça flop, on est foutu, hein. On est mort. Mec, essaye. Ah, ça fait peur ou pas? En vrai, ouais, en moi, mec, ça fait flipper deux ans. Ça fait peur. Tire la langue en plus. Il arrive. Là, il arrive. Oh! Non! Vite! À moi de jouer! Vas-y! Ça a marché? Ça a marché? Ça a fonctionné? Il s'est barré en courant là? Il s'est barré dans ta chambre, je crois. Il a flippé! Attends! Oh, mais c'est horrible, ça fait tellement peur! Ça fonctionne! Attends, je le remets. Viens. Il est parti où là? Attends. Oh! Sonic! Mec! On a fait des bêtises, attends. Mec! Oh, j'ai trop peur. Tiens, fais-le toi! Et moi, j'ai trop peur! Attends de le faire! Ok, je vais mettre le masque, mec, t'es prêt? Tu penses qu'il est dans ta chambre ou dans les toilettes? Faut prendre des armes, un nerf, une batte de baseball? Je sais pas, je crois que j'ai pas, mec. J'ai que ça, mec. En vrai, ça fonctionne bien. Il a eu très très peur tout à l'heure. Ok, let's go. Tiens-toi prêt. C'est bon. Oh, purée, tu fais. Même moi, ça me fait peur. Allez, t'es prêt. Où? Il est dans les toilettes ou dans ta chambre? Je sais pas, il est parti où? On va y aller. Là, je suis sûr, il est là. Il est où? Je sais pas. Attends, j'ouvre bien les toilettes. Il est là. Géré de ouf. Continue. Il faut le chasser de la maison, faut l'expulser de la maison. Vire-le. Oh non, c'est trop drôle. Oh, ça déchire. Sim Spooky, c'est bon, reviens. Et reviens. Mec, t'as vu? Ça a géré de fou là, ce masque, hein. Oh mec, ce masque, ça a fait effet de fou là, hein. Heureusement que j'ai eu cette bonne idée quand même, hein. C'est ouf. Au moment du début, c'était fun, on faisait l'expérience et tout, c'était intéressant. Mais par la suite, fallait subir les conséquences. Et heureusement qu'on avait le masque qui fait trop peur, hein. Sinon, je sais pas comment on aurait fini, hein. Je te le dis moi. Hein. Hey, en tout cas, la RobTech, ce masque va nous servir pour faire enfuir tous les monstres à l'approche de Halloween. Il est très 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 efficace. Garde-le. Bon bah là les gars, ça a fonctionné à merveille. Ça l'a fait fuir à des kilomètres. Je te dis pas mon gars. Bon bah ça veut dire qu'on est tranquille. C'est maintenant la fin de la vidéo. J'espère que vous l'avez kiffé. Surtout on a réellement réussi à faire féconder le Sonic.exe. C'est pas quelque chose d'incroyable quand même les gars. C'est une tuerie. Alors ça veut dire obligé de mettre des pouces bleus, obligé de s'abonner à la chaîne YouTube, parce que là les prochaines vidéos c'est encore plus folle l'une que les autres. Et il se passe toujours des choses complètement folles. Alors sur ce, on vous laisse, on fait plein de gros bisous. Bah c'était moi-même et Sim Spooky. Non, il m'a fait peur. Et c'est bon, j'arrête la vidéo, c'est bon.